La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, qui nous ressuscite sans cesse et qui nous promet son Esprit. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à la prière. Nous voici devant toi, Dieu notre Père. Tu nous offres le cadeau de ta présence par ton Esprit. Il nous fait espérer que les mots que nous allons entendre soient ta parole. Le Christ, qui est ta parole vivante, fait de nous ton Église rendue visible en ligne. Il est présent en nous et avec nous par ton Esprit. Nous formons la ronde car il vient se joindre à nous, tenir nos mains. Unis à lui, nous sommes unis les uns aux autres dans l'amitié. Il est notre paix. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique numéro 257 dans le recueil arc-en-ciel. Nous chantons les strophes 1, 2 et 5. Texte biblique tiré de l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. Puisque vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit Jésus à ses disciples. Je prierai le Père et il vous donnera un autre avocat défenseur pour vous venir en aide, afin qu'il soit avec vous pour l'éternité, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que moi, je vis et vous, vous vivrez. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui a mes commandements et les garde, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Juste quelques mots pour actualiser pour nous ce texte de l'Évangile de Jean au chapitre 14, versets 15 à 21. Le chapitre 14 de l'Évangile de Jean commence avec ces mots. Que vos cœurs ne se troublent pas. En effet, le Maître vient d'annoncer à ses disciples son départ prochain qui va les plonger dans le deuil. Le deuil renvoie au décès ou à la perte d'un proche. Mais le deuil renvoie aussi à la perte de quelque chose qui nous est cher. Une situation, par exemple, ou autre chose, ça peut être des habitudes. Aujourd'hui, de nombreux secteurs sont frappés de plein fouet ou par ricochet par une crise liée à l'épidémie.
Des personnes, des foyers ou même des groupes doivent mettre une croix sur leur projet. Certains devront faire face à une nouvelle situation, par exemple une baisse de revenus ou autre, mais aussi aux conséquences qui en découlent. Ici, dans notre texte, les disciples allaient perdre leur maître. Et pour les consoler, Jésus leur dit « Je ne vous laisserai pas seuls ». Bien sûr, il y a le manque et le vide, la nécessité de s'adapter à une nouvelle vie, surmonter l'angoisse et les inquiétudes concernant l'avenir. Mais Jésus leur dit qu'il sera là, présent d'une autre manière. Non plus comme avant, certes, où ils pouvaient boire et manger ensemble avec les disciples. Le Christ sera désormais présent par son esprit qui demeure dans la vie intérieure du disciple et avec lui. Et c'est une chance car par cette présence, l'esprit du Christ peut dialoguer avec l'esprit du disciple pour inspirer ses décisions et même ses actions. Il peut renouveler sans cesse le disciple, le transformer pour le rendre plus spirituel en lui rappelant l'essentiel de ce que le Christ a révélé. Le deuil fait souvent aller à l'essentiel. Ici, dans notre texte, il s'agit de l'amour de Dieu qui offre la vie en surabondance. Comme le dit le chapitre 3, verset 16 de l'évangile de Jean, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Grâce à cette présence, le disciple est uni à Dieu. Et c'est ce que l'évangile de Jean appelle « adorer Dieu en esprit et en vérité ». Il ne s'agit pas d'une exigence, mais plutôt d'une promesse, d'un cadeau. Cette spiritualité est proposée à toutes et à tous gratuitement. Mais Dieu ne peut pas s'imposer ni décider à notre place. L'Esprit du Christ nous libère, mais nous responsabilise en même temps. C'est pour cela que Jésus dit dans notre texte, « Vous, vous connaissez l'Esprit. » Jésus l'affirme. Il ne s'agit pas tant de la connaissance d'un contenu ou d'une vérité dogmatique. Il s'agit plutôt d'une connaissance relationnelle. Le disciple connaît l'Esprit parce que ce dernier agit et demeure en lui et avec lui. Mais quelle est donc cette fonction de l'Esprit ? Dans notre protestantisme, comme dans l'évangile de Jean, l'action de l'Esprit se focalise sur la communication. Dans ce texte, les dons de l'Esprit sont concentrés sur l'essentiel. Les commandements ne relèvent pas ici de la morale ou de l'éthique, mais désignent l'essentiel qu'est la révélation de l'amour de Dieu en Christ, parole de Dieu incarnée dans le monde. Pour cette mission, l'homme Jésus est rempli de l'Esprit divin. En nous aussi et avec nous, l'Esprit demeure. Le piège consiste à penser qu'en étant spirituel, le disciple est au-dessus des règles qui régissent la nature et est épargné des aléas de ce monde. Jésus dit « Je reviendrai auprès de vous ». Il ne dit pas « Vous viendrez auprès de moi ». Non, il dit « Je viendrai, je reviendrai auprès de vous ». Le disciple n'est donc pas de ce monde, mais il est envoyé pour vivre avec Dieu dans un monde sans Dieu. C'est ainsi qu'est présentée la mission d'incarnation confiée par le Christ aux disciples. Comme le Christ, le disciple est envoyé pour incarner la parole de la grâce de Dieu dans le monde, en étant habité par le même Esprit Saint. Il peut nous arriver de penser que la spiritualité, le fait d'être spirituel, nous épargne d'être soumis aux lois naturelles et nous fait accéder à l'irrationnel ou au supranaturel par la foi, la prière ou le jeûne. Seulement, la réalité montre que l'humain, par sa condition historique et humaine, reste constamment confronté au réel de ce monde qui ne dépend pas de lui. Et cela l'oblige à chercher sans cesse la solution la mieux adaptée à chaque situation. La tension entre la condition spirituelle du disciple et son existence historique dans le monde ne peut être évitée. Mais courage, la vie intérieure, ressuscitée sans cesse par l'Esprit Saint, vient non pas clore le temps fini du disciple, mais y éclore pour en faire un symbole, une métaphore, une parabole de l'éternité. J'estime que l'incarnation dans le monde est nécessaire pour la mission confiée à l'humain. Il s'agit de rendre visible la grâce de Dieu qui fait éclore la vie, en essayant de garder et de cultiver cette vie. Cette mission constitue ma raison d'être au monde et donne sens à mon existence. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons affirmer la foi chrétienne avec ce texte sur le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie. Je crois que Jésus est le Seigneur,
comme nous, il était rempli de l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, qui nous presse dans notre vie intérieure. Je crois que notre vie est comparable à une bulle de savon. Sans le souffle qui règne en nous, notre vie spirituelle s'effondre sous la pression extérieure du contexte. Et sans la pression du contexte, notre vie spirituelle explose sans pouvoir s'incarner dans le monde. C'est la pression extérieure qui donne forme à la bulle de savon. Mais c'est le souffle intérieur qui la crée et lui permet de tenir dans l'air. Les adorateurs de Dieu sont ainsi définis par Jésus dans l'évangile de Jean. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son Esprit et grâce à sa vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père veut amener à lui. Dieu est esprit, et il fait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Je vous invite maintenant à chanter au cantique numéro 189 dans le recueil Arc-en-Ciel. Nous le chanterons deux fois. Dieu est esprit, et il fait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il fait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Un sage disait: bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et dormir sans chercher d'excuses, ils deviendront sages. Prions avec ces mots d'André Dumas. Père, repose-nous, toi qui as pris le septième jour pour regarder, apprécier et chômer de ta propre fatigue. Repose-nous, toi qui commandes de faire relâcher en mémoire de notre liberté, toujours réel, en présence de notre communion, toujours possible, en attente de l'achèvement de ton royaume, toujours annoncé. Fais que nos repos ne nous effraient pas, nous qui savons mal user de la liberté du temps, que nos repos ne nous dissolvent pas, nous qui savons mal vivre le calme, le repos et la retraite. Que ton éternité nous aide à habiter les limites de notre temps fini et y fasse éclore ta grâce et ta vie. Et nous rassemblons toutes les prières qui viennent du fond de nos cœurs dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. Aujourd'hui, dans l'évangile de Jean, le Christ dit: je ne te laisserai pas seul, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te libère, je t'ai appelé par ton nom. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi, aujourd'hui et à jamais. Amen. Et nous terminons par le cantique numéro 524. La première strophe du cantique numéro 524 dans le recueil Arc-en-Ciel.
béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'esprit.